Good morning. Allez, Iden, les titres aujourd'hui, les Lonishmat, Murvi Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo ben Esther, Risha Batrim Nechemia, ainsi que le Fouat Abraham, Uri ben Reout, Betor Shah, Chol Israël. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Messechet Zvachim, Perekret Mishnah, Hey! Evarin be Evre ba Alemoumin, Rabbi Eliezer Omer, Im Karevroch Echad Mehem, Ikrevu Kol Arashin, Kraosh al Echad Mehem, Ikrevu Kol Akraim. והחכמים אומרים, אפילו קרבו כולם, חוץ מאחד מהם, יצא לבית השריפה. Bon, là ça va se compliquer un petit peu. Les notions sont beaucoup plus floues, personnellement. C'est des sujets que j'ai un petit peu étudiés dans la Gemara, mais on ne sort pas vraiment net de ces histoires. Bezrat Hashem, on va rapporter, interpréter la Mishnah telle qu'elle, avec le Barthénora, et donner un petit peu d'allure. Depuis la Mishnah, le milieu de la Mishnah Gimel, on est en train de parler de membres de korbanot qui se mélangent. C'est-à-dire, une fois qu'on a apporté les korbanot, on a fait la shrita, on a versé le sang comme il fallait sur le misbéach, ensuite, on se retrouve dans le Beth Amidbachaim, dans l'Azara, un lieu où on dépeçait les animaux, on les sectionnait en parts, on a parlé de différents types de mélanges, dans la Mishnah Gimel et Dalet, on a parlé de korbanot qui se mélangent entre eux, des shlamim avec Ola, ensuite il y avait Khatat, avec, différentes korbanot, shlamim avec Hacham plutôt, après on a eu Khatat avec Ola. À présent, dans notre Mishnah, on va parler d'un nouveau cas de figure, qui est le cas de Evarin be'evare ba'ale moumin, des membres qui se sont mélangés avec d'autres membres d'animaux inaptes à monter sur le misbéach. Par exemple, on va prendre un cas de figure où il y avait 9 holot. Je choisis 9 spécialement, 10. 10 holot qui ont été offertes aujourd'hui au Beth Amikdash. D'accord ? Une fois qu'on a fini de verser le sang et tout ça, on est dans les Beth Amidbachaim, les cuisines de la Hazara en fait. Là, on dépèce les animaux, on les sectionne, on les place en plateau, on aligne les plateaux avec les 10 têtes devant nous, ensuite les plateaux avec les 10 membres, avec les deux, peu importe, ouais, c'est rapporté dans le Maseret Yoma, dans quel ordre on les présentait. Tous les membres, tels quels, sont disposés sous forme de plateaux, belle rangée, bien organisée, bien propre. Ce qui se passe, c'est qu'on réalise après coup qu'en fait, il y avait un corban qui était un baal moum, un corban qui avait un défaut. On n'avait pas fait attention auparavant lorsqu'on l'égorgeait, mais après, on a réalisé qu'en fait, on a fait une bêtise, il y a un corban qui n'est pas saoul. Alors là, le problème, c'est qu'ils sont tous mélangés. Tout d'abord, avant de commencer la Mishnah, si on s'arrête là, eh ben, la solution sera de... On les... Te'oubab tsurato. Il faudra le laisser passer la nuit jusqu'à ce qu'il va devenir pasoul, et ensuite on le sortira au bet haddeshen, au bet asrefa. Ok ? Ça, c'est avant de commencer la Mishnah. La Mishnah ne parle même pas de ça. La Mishnah nous projette déjà dans une situation un peu différente. Une fois qu'elles étaient toutes déjà là, donc on avait les 10 têtes, derrière eux les 10 pattes, et le corban, dans quel ordre on le sectionnait, on l'apportait, il y avait comme ça des plateaux. Il y a eu encore un Cohen qui ne nous a pas prévenu. Il a pris déjà un plateau, il est monté déjà sur le Kevesh, il l'a déjà jeté sur le feu. Là, le Safek, le doute, va changer d'allure. Parce que, avoir une situation où tu as 10 morceaux de viande devant toi, dont un est certainement assourd, c'est pas le même, on va pas se conduire de la même manière avec le cas où il y avait 10 devant toi, il y en a un qui est de toute façon parti, et il t'en reste 9 à présent. Pourquoi ? C'est très simple. Lorsqu'il t'en reste 9, il est possible que maintenant il te reste 9 cachers. Dans ce cas-là, ça te laisse beaucoup plus de lest, de possibilité d'agir et de permettre davantage. C'est exactement ce qui va se passer. Entre parenthèses, je connais ces sujets-là de Gemara de Svarim, on les étudie dans la Halakha, vous savez où ? Lorsqu'on parle dans Yoredea, dans les mélanges de viande interdites, il y a là-bas un siman particulier lorsque des morceaux de viande se mélangent. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a eu un morceau de viande qui est plus là? Il a déjà été mangé, il a déjà été jeté. On ne va pas se comporter de la même manière lorsqu'on a les 10 morceaux de viande devant nous, ou le cas où il y en a un qui est de toute façon qui a déjà été consommé. D'accord? Pas qui a été jeté à la poubelle, parce que s'il a jeté à la poubelle, il est encore présent sur Terre. On parle du cas où il a été déjà consommé, où il est déjà parti. Le rapport qu'on va entretenir sera différent. Dans la mesure où dans le premier cas de figure, on a un vadaï issour devant nous, donc c'est beaucoup plus strict. Les lois de Bitoul ne marchent pas. Ouais, entre parenthèses, de nouveau, les lois de Bitoul ne marchent pas ici parce qu'on a une règle que tout membre important, khatikha, khashuva, elle ne s'annule pas.
annulée de la viande, c'est uniquement lorsque c'est des petits morceaux de viande qui n'ont pas d'allure. Mais si dès que ça devient une tranche importante, alors on a une règle d'avoir chashuv lo batel. D'accord ? On ne va pas trop ouvrir tous ces sujets-là, sinon ça va, on va trop dévier. Donc retenez pour le moment la notion, sachez que d'avoir chashuv lo batel. Mais on a l'avantage que lorsqu'on a eu un qui est de toute façon parti, ça nous laisse beaucoup plus de lest pour pouvoir permettre. Et c'est ce qui va se passer précisément ici. D'accord ? Regardez maintenant. Evarin be'evare ba'ale moumine. On a eu des membres de Ola qui se sont mélangés avec d'autres membres qui étaient des ba'ale moumine, qui provenaient d'animaux invalides, dans tout le sens du terme, qui étaient invalidés, qui avaient un membre défectueux. D'accord ? Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous enseigne, eh ben, im karev rosh echad mehem, si toutefois un Kohen a déjà fait monter sur le Kevesh, sur le Misbéar plutôt, il est monté par la rampe, il est monté, il a jeté au feu une tête, ikrevu kol harashin, tu pourras faire monter toutes les autres têtes qui suivent. On va expliquer de quelle manière ensuite. Krao shel echad mehem, si elle a fait monter krao, le kraim c'est un flanc, une cuisse, d'accord, elle a fait monter un pied, eh ben, ikrevu kol hakraim, tu pourras dès lors faire monter sur le misbéar tous les kraim. Et je continue tout de suite sur Chachamim, on reviendra ensuite sur Abelezer. C'est plus facile de comprendre Chachamim, donc il vaut mieux d'abord fermer ce qui est clair, et puis après, entrer dans la complexité. Par Chachamim, Omrim, non. Afil ou Korvu Kulan, même s'il y a eu déjà 9 Kohen, ou 8 Kohen, je préfère dire. Il y a déjà 8 Kohen qui ont pris déjà 8 têtes, et il va vous rester maintenant 2 têtes, ou même une tête, devant vous. Afil ou Korvu Kulan, Chutz Me'echad, Mehem, même, sauf une seule, c'est-à-dire soit une seule tête, soit une seule paire de têtes, ce sera la vraie définition, c'est-à-dire une paire de têtes, je vous expliquerai ensuite pourquoi, bien sûr. Yetze, les bêtes, asrefa, malgré tout, ce reste-là, tu ne pourras pas le faire monter sur le misbéar. Il y a un interdit de le faire monter sur le misbéar, étant donné que, d'accord, il n'y a pas de solution comme ça de le faire monter, sur le misbéar. Parce que c'est peut-être l'interdit, tu as un doute, donc tu ne pourras pas le faire. Maintenant, on va expliquer un petit peu mieux à Rabbi Eliezer qu'est-ce qui se passe. Rabbi Eliezer nous a dit, tout d'abord, je reprends, lorsqu'on a les 10 têtes devant nous, aucune ne peut monter sur le misbéar, formellement interdit, étant donné qu'il n'y a pas eu de bitoul cette fois-ci. Il n'y a pas le bitoul d'avoir chashuv. Lo batel, une tête, ça ne s'annule pas, ça ne s'annule pas, de ce fait, les 10, tu dois laisser tel quel. Si toutefois, il y en a une qui est déjà montée sur le misbéar, de toute façon, Rabbi Eliezer va nous dire, écoute, ce qui te reste devant toi, ça devient un doute. Est-ce que Bichlal y a un issou ? Dans ce cas-là, dans le Bénin, tu pourras saisir le doute, profiter du doute, donc, et les apporter. Mais de quelle manière ? Deux par deux. Dans la mesure où chaque fois que tu vas prendre maintenant deux têtes en même temps, alors je vais pouvoir te dire, écoute, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu dois monter sur le misbar pour faire monter la tête permise. De ce fait, tu as le droit même de prendre, ouais, parce qu'il y en a une des deux qui est vadaï permise, et l'autre qui a un doute sur l'autre. Dans ce cas-là, Rabbi Eliezer nous dit, ben écoute, puisque tu peux te donner le feu vert pour monter sur le misbéar, pour monter avec ces deux plateaux-là en haut, parce qu'il y en a au moins un qui doit certainement être brûlé, tu as le droit en même temps de mettre la deuxième au feu. Et ainsi de suite. Donc, on avait 10 têtes, une qui est déjà montée en haut, tu les fais monter deux par deux. Ouais. Et tu te retrouves maintenant avec la dernière, la dixième, qui est toute seule, tu ne la fais plus monter. Ok ? C'est le principe de Rabbi Eliezer, parce que lorsqu'il y en a une seule, alors là, tu vas avoir de nouveau le doute, peut-être que c'est elle, peut-être que c'est pas elle. Qui te permet de partir sur le misbéar ? Lorsque tu en as deux, tu as le droit de monter sur le misbéar, et c'est précisément ce point-là que j'ai du mal à comprendre, que je ne comprends pas. Exemple. J'ai regardé dans le Mefarshim, c'est pas rapporté. Dans la Gemara, d'après ce que je me souviens, c'était pas forcément... Ouais, ça fait partie des sujets qu'il faut les étudier très profondément, pour ensuite commencer à comprendre, ouvrir des livres et commencer à me le comprendre. Personnellement, d'accord, je me fie à ce qui est écrit ici. On attend le feu vert pour lui dire, vas-y, tu peux monter. Dans ce cas-là, il reçoit le feu vert. Il a le droit de monter pour, au moins, parce que c'est sûr qu'il y en a une de permise. Dans ce cas-là, il a le droit, dans le doute aussi, mettre les deux au feu et ce sera permis. Ok. Comme ça, c'est rapporté. C'est l'avis de Rabbi Eliezer. Entre parenthèses, il y a un détail qui n'est pas écrit, mais que je suppose que ça marchera. C'est si toutefois, à la dernière fournée, en fait, quand il en reste plus que 3 devant lui, il se débrouille pour prendre les 3 et monter sur le misbéar, je pense que ce sera tout à fait permis de le faire, ce sera même mieux, à la limite. Il y aurait eu un bitoul. Je suppose que ce sera certainement permis. Ok ? Il y a de quoi rallonger, mais
On ne va pas en parler tout de suite, il y a un petit détail important à rapporter en rapport avec la mishnah précédente en fait. Mais d'abord, je continue maintenant sur Chachamim. Lorsque je dis Chachamim, eux, ils ne sont pas d'accord. Chachamim dit non, tu ne fais pas monter. Chaque morceau, il y a eu un issour de le faire monter sur le Mizbéach à cause du doute. Certes, il y en a un qui est parti, mais entre deux, je ne vais pas leur apporter les autres. De ce fait, même lorsqu'il va t'en rester, alors le problème, là, on a un problème technique. Parce que la mishnah nous a utilisé le mot, même s'il va en rester un seul, tu ne le feras pas monter. Or, si vous avez bien retenu, pour Rabbi Eliezer, même lorsqu'il en reste un seul, c'est de toute façon interdit, parce que Rabbi Eliezer ne nous permet de faire monter sur le Mizbéach que lorsqu'il y reste deux. On les fait monter deux par deux. Donc un seul, ça ne sert à rien. Donc pour Rami, on dit même s'il reste un seul. C'est pour ça que je dis que Barthénoir va nous dire, regardez, une paire. Même s'il va rester une paire, tu n'auras pas le droit de les faire monter. Ok. Un petit détail maintenant, juste en rapport avec la mission précédente. Si vous vous souvenez, avec Rabbi Eliezer nous avait dit que on a toujours l'option de faire monter de la viande sur le Mizbéach en la considérant comme du bois uniquement. Et pas comme un membre offert. Ouais, vous vous rappelez avec le cas du khatat qu'on fait monter. Donc théoriquement, on aurait le droit aussi de prendre même un morceau de viande et de dire, on prend deux morceaux de viande, on dit écoute, si la hola elle est là, alors je l'offre en cadeau, et si elle n'est pas là, je l'offre en guise de bois. Donc on devrait avoir une permission. D'où la question, pourquoi Rabbi Eliezer, il interdit ici de faire monter le korban. Il ne permet que mikoar, que parce que dans le doute et tout ça, comme tout ce qu'on a expliqué, mais sinon prendre les deux membres, tout le monde, ou même les membres, même un par un, en se disant, écoute, si c'est un korban, je le fais monter, et si c'est un korban pas soul, ben je le fais monter en guise de bois. Pourquoi il ne permet pas cette situation à Benezer? Sur ça, c'est rapporté dans le Tiferet d'Israël, ça vient de la Gemara en fait, et ça dans le Rabbi Akiva Iger aussi, une règle très importante, quelque chose qui est maous, qui est répugnant, alors lui, il ne peut pas monter en guise de bois. Parce que même monter pour du bois, il faut un bois de qualité honorable et pas quelque chose de répugnant. Or, s'il a eu un moum, il a eu un défaut, le corban, donc c'est un corban répugnant, ce n'est pas digne de le faire monter même en guise de bois, de ce fait, c'est interdit. Ok ? On a fini pour aujourd'hui, c'est une pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.